encore. Ton cœur est gros, ton moment. Beaucoup, non. Tu es très impulsif. Ce petit esprit, là, tu l'entends. Il est difficile d'avoir de l'argent. Dieu va lui donner tout ça. Je me mets à te le prier. De nombreux ici. Moi, je ne touche pas les gens. Et le geste que j'ai vu, c'est-à-dire que le diable, il s'est dit que tu es son épouse. Je veux qu'il te contrôle. Il dit dans une forme d'esclavage, Jésus va te dire. Amen. Tu crois. Tu crois. Comment tu crois? Je crois que c'est cela même que je suis arrivé ici. Voilà. Depuis la rencontre, j'ai mis pause. Je vais pas à l'église, une déception. Pour ce qui m'arrive, bon, je me dis que c'est quel Dieu, moi j'adore, puis à chaque fois je suis dans les problèmes. Donc, depuis Zaroko, je ne vais pas à l'église, je suis à la maison. Mais la dernière fois, j'ai fait un songe là. C'est ça même qui m'a précipité. Tu as compris? Non. Quand je lui disais que l'esprit est là, elle m'a dit depuis Zaroko, ça fait des problèmes. Elle a connu un moment de découragement, c'est pas ça? Et le moment de découragement va déclencher un esprit. Et c'est quand il a fait un songe qu'il est venu. Explique-moi le songe. C'est ça que je disais tout à l'heure, là, que le père de mes enfants, il a décidé. Chaque fois, je le vois en songe. Donc, vraiment, je me suis dit que vraiment, il faut que je vienne ici. Que c'est pas normal pour quelqu'un qui a déjà décidé. À chaque fois, je le vois. Comme si c'est moi qui l'avais tué. Donc, il faut que je vienne ici. Mais tu sais que c'est pas lui. J'explique. Mais il y a des gens aussi qui prennent sa forme. Non, j'explique. Quand quelqu'un meurt, une personne meurt, elle n'a plus de contact avec les vivants. C'est une ruse du Satan. Il faut croire aux gens qu'un mort a un pouvoir. Non. La Bible dit dans le livre des Hébreux, il a pris une personne mourir une fois, après quoi vient le jugement. La personne est partie pour le jugement. C'est pour ça qu'il faut éviter tout contact avec tout ce qui est mort. Éviter de porter les habits, on met adieu, tant. Les vêtements des vigiles des morts, éviter qu'une personne morte, ses vêtements, vous portez ça. Évitez ça. L'esprit va vous poursuivre. Pas l'esprit de la personne, mais l'esprit de mort aime bien ça. Ou même quand on finissait un funérail, les uniformes des funérailles là, et laissez ça. C'est dédié à ça. À ça. Donc il y a des choses que vous devez laisser tomber, sinon vous allez voir que les esprits ont commencé à poursuivre. Vous allez dormir, vous allez voir. L'esprit dans les rêves. Moi, depuis que j'ai compris ça, c'est fini. Sinon, au départ, j'aimais bien les photos de mon père, j'aimais bien regarder ça. Mais je le voyais souvent dans mes rêves. Mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas bon. Et effectivement, quand je me suis écarté de tout ça, je ne vois plus tout ça. Parce qu'il ne doit pas venir dans mes rêves. Je dois voir Dieu dans mes rêves. Une équipe vient dans mes rêves, il allait pour le jugement. Amen. Amen. Et si je le vois dans mes rêves, c'est un esprit de mort, je l'ai vu. Puisqu'il n'est pas vivant. Amen. Amen. Jésus. D'accord. Tu crois? Comment? Allez! Lâcher son âme. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Et cette vie ne t'appartient pas. Elle appartient à Jésus. Tu m'entends? Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte. Voilà, va-t'en. Au nom de Jésus. Va! Va! Amenez-la ici. Lâche-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse sa vie. Lâche sa vie. Tu m'entends? Lâche-la. Ce corps ne t'appartient pas, appartient à Jésus. Je te commande de partir. Tu veux libérer sa vie. Le feu sur toi. Le feu sur toi.
le feu supporte. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Le feu de Dieu. Je détruis ton pouvoir. Va-t'en, Dieu. Va! Va! Manifeste-toi et va. Toute sa vie m'attache. Oui, feu. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Ça arrive depuis le là, déjà. Le feu. Mettez ça quelque part, hein. Comme ça, c'est un dimanche, on va mettre le truc comme ça. Mets son bureau. Mets son bureau. Feu. 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 Lâche-la. Lâche-la. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Va. Le feu sur toi. Comme on dit en camerounais, bonjour, madame. C'est difficile. On va ouvrir. Ouais, c'est ça? Ouais. Ouais, mais. On va ouvrir. Il y a une langue ici qui parle comme ça aussi. Tu vois? Voilà. C'est quelque chose. Le démon là, il était terrible. Hein?